Shambho, Shambho, Mahadevaya. Yoga, Yoga, Yogeshwaraya. Bhuta, Bhuta, Bhute. Shambho, Shambho, Mahadevaya. Yoga, Yoga, Yogeshwaraya. Bhuta, Bhuta, Bhute. Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Namaskaram, namaskaram à tous. Donc, imaginez que vous soyez à l'école. Imaginez que vous soyez à l'école, vous êtes rentré chez vous pour les vacances d'été. Le 14 avril, vous êtes censé retourner à l'école, mais l'école annonce que les vacances vont durer un mois de plus. Est-ce que vous vous mettriez à faire la fête ou à pleurer? Je suis sûr que vous feriez la fête. Eh bien, nous nous dirigeons très probablement vers là en ce moment. La fête d'hier était juste pour vous requinquer. Pour que vous soyez prêts. Il y a déjà quelques États indiens qui ont déclaré qu'ils allaient prolonger le confinement. Il pourrait y avoir quelques assouplissements pour certains types d'activités, de travail, d'industrie, mais le confinement géographique va continuer. Les blocus au niveau des districts, les blocus au niveau des États, et pas d'avion, pas de train, cela va à coup sûr continuer. Donc, ceux d'entre vous qui sont sur le chemin spirituel, ou du moins c'est ce que vous pensiez, c'est un grand moment pour vous. Ceux d'entre vous qui sont de grands stratèges, c'est une période fantastique pour vous. Ceux d'entre vous qui pensez être musicien ou artiste ou autre, c'est une période absolument miraculeuse pour vous. Ceux d'entre vous qui pensez être de vrais étudiants, authentiques, je veux dire, pas que vous allez à l'école ou à l'université, un véritable étudiant, je veux dire, vous voulez apprendre. C'est une période absolument merveilleuse pour vous. La seule préoccupation, c'est ceux qui sont tout en bas de la structure économique. Que va-t-il leur arriver? C'est pourquoi, dans cette région, on s'engage à l'extérieur et pour voir ce qu'il y a à faire. Beaucoup de nos jeunes bénévoles, encore aujourd'hui, un groupe est parti. Ils étaient là pour me voir, à l'instant même.
ils quittent l'ashram, ils quittent le centre de yoga. Ce qui veut dire qu'ils ne vont pas pouvoir revenir. Tant que tout n'est pas fini et quand ils reviendront, ils vont passer par 14 à 28 jours de quarantaine. Donc ils s'exilent d'eux-mêmes. Ils font cela pour servir la société rurale aux alentours. Nous nous inclinons devant leur engagement. Eh bien, l'aide médicale, en termes de masques, de gants, de combinaisons de protection pour le personnel médical et autres, que nos volontaires chinois ont envoyés, vient juste de passer la douane à Delhi. Ça devra arriver demain ou maximum après-demain. Donc ces choses avancent, mais le plus gros défi va être de fournir les médicaments qui pourraient devenir nécessaires à grande échelle, et par-dessus tout de fournir de la nourriture à ces gens qui n'ont pas la capacité d'en trouver, à moins d'avoir un emploi. 3 semaines, c'est déjà au-delà de leur capacité à s'en sortir avec leurs propres moyens, la pression est déjà là. Donc, nous avons déjà commencé ce travail, mais la pression financière qui pèse sur nous va continuer à augmenter. Ces 2 derniers jours, beaucoup d'entre vous ont contribué de façon importante pour nous aider. Nous comptons sur une aide continue, parce que ça va continuer un certain temps. Ça ne va pas se terminer tout de suite. Ce confinement est une façon de faire de la prévention. Beaucoup de gens posent ces questions. Personne n'est malade, pourquoi font-ils ce confinement? J'ai une affaire, j'ai un travail, je ne peux pas marcher, je ne peux pas fumer, je ne peux pas boire, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est une action préventive, vous devez le comprendre. Peut-être que si vous avez vécu une vie compulsive, vous ne comprenez pas ce qu'est une action préventive. Quiconque réussit dans ses affaires, dans sa vie de bien des manières, prend toujours des mesures préventives. Ils n'attendent pas d'être débordés par les problèmes pour ensuite agir. Ils agissent avant que les problèmes n'arrivent. C'est ça l'importance d'être humain. Toutes les autres créatures s'occupent de leurs problèmes après qu'ils soient arrivés. Les êtres humains sont censés anticiper les problèmes et les prévenir. Ceci est arrivé une fois. Shankaran Pillai est à New York. Pas maintenant, avant le virus. En ce moment, il ne fait pas bon à être à New York. Malheureusement, les chiffres du jour sont mauvais. Au cours des dernières 24 heures, quasiment 1200 morts en Amérique, aux États-Unis, plus de 9600 morts au total. L'Espagne, 223 un jour, l'Italie est encore fortement touchée, 525 morts en 24 heures, en France, 518, en Grande-Bretagne, 621, eh bien, en Inde, 32. L'Inde a le plus faible nombre de morts par million d'habitants. Je pense que le confinement a fait une grosse différence, mais maintenant, pour vraiment intensifier le confinement pour qu'il fonctionne réellement, parce que si un seul rat détale, ce seul rat est suffisant pour, vous savez, infecter toute la population. Donc, mais les rats ne sont pas les porteurs, vous le savez. Ce sont les êtres humains. Mais il y a des gens qui sont dans un certain mode. Mais Shankaran Pillai était à New York. Et il va dans un restaurant très chic. Sort un billet de $20 et essaie de le donner au serveur, c'est pour vous. Le serveur lui dit, quoi? Vous voulez réserver une table? Vous pouvez la réserver directement, vous n'avez pas à me donner cet argent. Il dit, non, prenez-le, je vais vous expliquer, prenez-le, je vous dis. Il le prend.
Et puis il dit, je n'ai pas besoin d'une table. Plus tard dans la soirée, je vais venir avec ma nouvelle copine. Quand j'arrive, vous dites qu'il n'y a plus de table. Je vais l'emmener dans un restaurant moins cher. Mais gardez les $20. Dites juste qu'il n'y a pas de table de libre aujourd'hui. Action préventive. Mais il y a des gens, pourquoi? Toutes ces années, j'ai toujours été comme ça. Pourquoi est-ce que je changerai mes habitudes? Où est le problème? Pourquoi est-ce que je ne peux pas y aller? Pourquoi est-ce que je ne peux pas vous souffler au visage comme ça, comme je l'ai toujours fait? Vous l'avez toujours fait, c'est juste qu'on supportait votre mauvaise haleine. Mais maintenant, vous portez la mort. Une mauvaise haleine aussi peut tuer parfois. Maintenant, c'est le bon moment de changer vos codes et de ne plus parler en vous postillonnant à la figure. C'est le bon moment, de façon permanente, je veux dire, pas juste maintenant. C'est le moment de changer beaucoup de choses, mais j'ai toujours fait comme ça, est un problème. Un homme conduisait dans le Tennessee. Ça arrive parfois dans le Tennessee. Et sans prévenir, un pick-up du coin, chargé à l'arrière, quitte soudainement la route pour s'engager sur un petit chemin de terre. Par miracle, il arrive à ne pas lui foncer dessus. Il freine à fond et parvient à s'arrêter, à deux doigts. Mais le pick-up s'en va. Ça le rend fou. Il se met à poursuivre le pick-up, l'arrête et se met à gueuler. Eh bien, il le regarde juste comme ça. Qu'est-ce qui vous arrive? Je prends toujours cette route. Pourquoi n'avez-vous pas fait un geste? Pourquoi n'avez-vous pas prévenu? Non, je prends toujours cette route. J'ai toujours fait comme ça. Vous êtes censé le savoir. Donc, il y a beaucoup de locaux comme ça, qui prennent les choses pour acquises. Oh, j'ai toujours fait comme ça. Non, l'heure est venue de ne pas fonctionner à partir de vieilles habitudes. Vous fonctionnez consciemment, ça pourrait être une question de vie ou de mort pour quelqu'un d'autre ou pour vous-même. Donc, c'est très très important en ce moment, plus qu'avoir des gouvernements qui annoncent confinement sur confinement, que chaque citoyen s'implique et fasse ce qu'il faut. C'est extrêmement important. Autrement, le gouvernement peut annoncer des confinements, vous continuez à propager le virus autour de vous. Dans ce cas, ça ne sert à rien. Vous devriez comprendre qu'il ne s'agit pas du gouvernement, il ne s'agit pas de l'administration, il ne s'agit pas des autorités de santé. Il s'agit de votre vie et des vies autour de vous. Votre comportement va décider d'elle. C'est à la fois une lourde responsabilité et un privilège que, simplement en ne faisant rien, vous pouvez sauver la vie des gens. N'est-ce pas merveilleux? Mais malheureusement, ces deux derniers jours, le nombre de professionnels de santé qui ont été victimes du virus et sont morts est anormalement élevé, parce qu'ils font des heures supplémentaires. Comme ils font des heures supplémentaires au-delà d'une certaine limite, leur système immunitaire faiblit. Comme leur endurance faiblit, leur système immunitaire faiblit. Et à cause de cela, ils sont infectés. Et le nombre de médecins et infirmières qui meurent a commencé à augmenter. Tous ces gens qui se comportent de façon irresponsable et disent « Pourquoi je ne peux pas faire ci? Pourquoi je ne peux pas faire ça ?» Je veux que vous pensiez à un scénario dans lequel, si les professionnels de santé du pays et du monde décidaient « Trop, c'est trop, si votre vie ne vous intéresse pas, pourquoi est-ce qu'on met le nez dehors ?» et ils s'arrêtent de venir travailler. Vous pouvez imaginer ce qui va se passer? Il va y avoir des millions de morts.
Ce confinement est une action préventive pour faire en sorte que de telles choses n'aient pas lieu. Chacun d'entre vous doit non seulement coopérer, utiliser tous les outils dont vous disposez pour faire passer le message à chaque citoyen de ce pays et du monde, pour veiller à ce qu'il se comporte de façon responsable. En tant que génération, si l'on se comporte de façon responsable, on peut s'en tirer avec un minimum de pertes. Je crois qu'il y a déjà près de 100 000 victimes. C'est en train d'atteindre les 100 000. Ce n'est pas une petite perte, mais comparé à ce qui peut arriver, c'est une petite perte. Donc essayons de contenir cela au maximum. Parce que si on n'agit pas de façon consciente, de façon responsable, ça peut complètement déstabiliser cette génération de tant de façons différentes. Pas seulement en termes de santé, de tant de façons. La façon même dont nous avons vécu. Il se pourrait que plus personne ne puisse se permettre de vivre ainsi. Ça pourrait devenir comme ça. Donc il est très important que l'on traverse les quelques prochaines semaines, peu importe le nombre de semaines, en faisant très attention. Question. Sadhguru, cette question est de Priyanka. Namaskaram Sadhguru. Vous exprimez souvent des vues fortes sur des sujets politiques, mais je ne suis pas toujours d'accord. Je fais peut-être partie des libéraux de gauche que vous appelez fanatiques ou étudiants de l'université WhatsApp. Comment réconcilier le fait que vous soyez mon gourou et que pourtant nous ayons des vues opposées sur la politique? Je suis bien plus à gauche que ce que vous imaginez. Mais je ne suis pas gauche ultra, où vous allez vous assurer de barrer l'accès à tout développement et à toute possibilité, à tout le monde. Si c'est ça votre idée de la gauche, ce n'est pas mon idée de la gauche. Mon idée de la gauche, c'est une administration plus juste et équitable. J'ai juste dit plus juste et équitable. Une société absolument juste et équitable n'existe pas, ça n'existe nulle part, ça n'a jamais eu lieu jusqu'ici du moins. Mahatma Gandhi disait toujours que Ram Raja était une société juste et équitable. Même là, je suis sûr que la femme de Rama, Sita elle-même, s'est dit « c'est très injuste ce qui m'arrive » toute sa vie. Je suis sûr que ses enfants se sont dit que c'est absolument injuste ce qu'on leur a fait. Et je suis sûr qu'à bien des moments de sa vie, Rama lui-même s'est dit que c'est injuste ce qu'on lui fait. Donc il n'y a jamais eu une société absolument équitable ou une société absolument juste. Mais le plus souvent, la plupart des choses ont lieu de façon équitable. Les gens ne sont peut-être pas égaux, mais au moins, ils ont les mêmes opportunités. C'est tout ce qu'on peut créer. Cela dit, Priyanka, il faut que je vous le dise, je n'ai jamais exprimé d'opinion politique. Si j'exprime mes opinions politiques, vous allez vous évanouir. Donc je ne les ai jamais exprimées. J'ai juste signalé certains faits. Si vous ne faites pas la différence entre ce qui est un fait et ce qui est une opinion, alors il y a un très gros problème. Si vous pensez que votre opinion est bien plus sacrée que la volonté des gens dans une société démocratique, alors vous avez un problème fondamental. Vous voulez une révolution totale. Révolution totale, dans le monde d'aujourd'hui, veut aussi dire annihilation totale. Ces idées de révolution armée datent du 19e siècle et du début du 20e siècle. Ce n'est plus le moment de faire ces révolutions. Étant donné les armes dont on dispose aujourd'hui, si les révolutionnaires ont ces armes et que les forces armées ont ces armes, tout ce qui va se passer, ce sont des morts et des destructions. C'est tout ce qui va se passer. Donc une révolution armée, ou pour l'époque des révolutions armées, vous êtes né un peu trop tard. Oui. Quand on était jeune, on pensait tous à une révolution armée, en permanence.
C'était l'époque de Charu Mazumdar et Somalu et toutes ces grandes histoires, et on voulait tous y aller et combattre. Mais ce n'est plus le moment de faire ça. Parce que maintenant, si vous voulez amener du changement, en particulier dans ce pays, vous ne pouvez le faire qu'à travers le processus démocratique. Processus démocratique veut dire que si deux personnes se présentent à une élection, il y en a une qui va gagner et une qui va perdre, comme dans n'importe quel jeu. Donc si les perdants veulent faire passer les lois, si les perdants veulent soulever le trophée, vous pensez que c'est juste? Est-il juste que ceux qui ont perdu le jeu marchent avec le trophée? Ce n'est pas juste, mais là maintenant, c'est ce que vous demandez. Les gens ont élu un certain gouvernement. S'ils font passer les lois, parce qu'un devoir fondamental, une fois élu, c'est de faire passer les lois. S'ils font passer les lois, vous dites, non, 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 on devrait faire passer les lois. Vous ne pouvez pas faire passer cette loi. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous pouvez exprimer votre opinion, ce qui ne va pas dans la loi. Vous pouvez écrire, vous pouvez voter contre elle au Parlement, ou à l'Assemblée, ou ailleurs, quel que soit l'organe démocratique dans lequel vous siégez. Mais vous ne pouvez pas dire qu'un gouvernement élu ne devrait pas faire passer de loi, ce n'est pas démocratique. Eh bien, toute cette gauche, ou ces gens qui pensent qu'ils sont de gauche, ils ne sont pas de gauche. Je vois la façon dont ils ont structuré leur vie, leurs idées, leurs opinions, leurs émotions. Gauche veut dire que le sujet de votre vie, ce n'est pas vous, le sujet de votre vie, c'est la communauté, c'est ce qu'est le communisme. Je ne sais pas de quel genre de gauche vous êtes, parce que votre mode de vie n'indique pas que vous êtes de gauche. Votre attitude envers les autres n'indique pas que vous êtes de gauche. Et vous avez dit, je suis libéral de gauche. Vous n'êtes à coup sûr pas libéral, car seul vous avez la liberté d'expression, et personne d'autre. Ce n'est pas ce que j'entends par libéral. Mon idée de libéral, c'est tout ce que j'ai dans le cœur, je vais le dire, vous devez m'écouter et me dire ce qui ne va pas dans ce que j'ai dit. Non, vous ne pouvez pas pointer une seule chose, vous avez juste dit, non, ça ne me plaît pas. Eh bien, c'est comme un problème de famille. Ces choses ont lieu entre un mari et une femme, et elles ne devraient pas avoir lieu entre vous et moi. S'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a quelque chose où vous pouvez dire, ce n'est pas correct, ce n'est pas logiquement correct, ce n'est pas corroboré par les faits, si vous me dites ça, je vais m'incliner devant vous et me corriger. Mais la seule chose, c'est que ça ne vous plaît pas. Eh bien, qu'est-ce que j'y peux si ça ne vous plaît pas? Qu'est-ce que j'y peux si ça ne vous plaît pas? Les gens ont élu un gouvernement. Le gouvernement fait passer ses lois. On s'inquiète d'une certaine loi. On peut dire, voici ce qui nous inquiète, corrigez-le s'il vous plaît. Mais ça reste leur choix de la corriger ou de la laisser inchangée. Si la nation vous préoccupe tant et que vous voulez faire passer les lois, vous devez travailler dur pour gagner la prochaine élection. C'est la seule façon de faire dans un pays démocratique. C'est ce que démocratie veut dire. Vous perdez les élections et vous voulez faire passer les lois, la vie ne marche pas comme ça. C'est juste que vous n'arrivez pas à avaler ce simple fait. Vous pensez, j'exprime mon opinion. Ce n'est pas mon opinion, c'est le fondement et la base du processus démocratique. Donc, vous dites, je vais descendre dans la rue. J'ai le droit de protester. Vous avez le droit de protester, ça c'est sûr, mais vous n'avez pas le droit de perturber la vie d'un seul citoyen. Vous n'avez pas le droit de bloquer la route, vous n'avez pas le droit de bloquer l'autoroute, vous n'avez pas le droit de couper l'eau ou l'électricité ou peu importe ce que vous faites. Vous n'avez pas le droit de perturber la vie de qui que ce soit. Vous avez le droit de protester. Vous devez demander la permission, trouver un lieu, vous y asseoir et manifester. Vous n'avez même pas le droit de faire gueuler un haut-parleur dans ma maison. Vous n'avez pas le droit. Mais vous avez le droit de protester sur les bonnes plateformes. Le processus démocratique compte suffisamment de plateformes où vous pouvez protester.
Vous avez tout à fait le droit de protester, mais ne prenez pas le droit de protester pour un droit de perturber. Vous voulez lancer le mouvement Quit India, maintenant. Vous voulez lancer le mouvement de non-coopération maintenant? Vous auriez dû le faire en 1936. Ce n'est plus le moment de faire ça. C'est votre pays, c'est votre gouvernement. Maintenant vous dites, non, ce n'est pas mon gouvernement. Ce n'est pas démocratique. Je veux que vous le compreniez. La majorité des gens, quand ils élisent un gouvernement, même si vous ne les aimez pas, personnellement, vous pouvez ne pas les aimer. Je ne dis pas que vous devez les aimer. Mais c'est votre gouvernement, c'est le gouvernement de l'Inde, le gouvernement du Tamil Nadu, le gouvernement du Karnataka ou de n'importe quel État. Ce n'est pas le gouvernement de quelqu'un. Comme tout le monde dit aujourd'hui, c'est devenu la mode de dire « le gouvernement maudit ». Dans ma tête, dans mon cœur, ce n'est pas le gouvernement de Modi. Pour moi, c'est le gouvernement de l'Inde. Comme c'est le gouvernement de l'Inde, je vais soutenir le gouvernement de l'Inde. Pas parce que je suis fan de quelqu'un, pas parce que j'appartiens à une quelconque idéologie politique, simplement parce que je suis un citoyen de cette Inde. Ce que ça veut dire pour moi, c'est comme je suis un citoyen de ce pays, le pays fournit un certain ordre, certains équipements, certains fondamentaux pour qu'on puisse vivre et travailler. Pour cela, je m'incline et dis, tout ce que dit le gouvernement dans des lois, je vais le suivre, je vais le respecter parce que c'est une loi. Oh, les lois que vous faites passer, je ne suis pas d'accord avec elles. Si vous n'êtes pas d'accord, il y a une cour suprême ou un tribunal où vous pouvez aller. Si c'est d'une quelconque manière illégale, ça va être aboli. Mais si c'est légal et que ça ne vous plaît toujours pas, vous devez gagner la prochaine élection. C'est le seul moyen. Vous n'avez pas l'implication nécessaire pour vous battre et travailler pendant ces 5 ans et gagner l'élection la prochaine fois. Vous n'avez pas ce niveau d'implication. Vous voulez rester assis chez vous et manger et boire toute votre vie, mais vous vous plaignez de tout ce que fait le gouvernement. Je vous le dis, mon attitude envers le gouvernement de l'Inde reste la même, peu importe qui dirige le pays à l'heure actuelle. Parce que pour moi, c'est le gouvernement de l'Inde qui dirige la nation, pas le gouvernement de Modi ou le gouvernement de Manmohan Singh ou le gouvernement de quelqu'un. Dans ma tête, dans mon cœur, c'est le gouvernement de l'Inde et je vais le soutenir. Eh bien, ça ne vous plaît pas. Eh bien, ça veut dire que le processus démocratique ne vous plaît pas. Donc, vous devriez devenir Premier ministre, sans aucun effort. Et quelles sont vos références? La seule chose, c'est que vous n'aimez pas ce que je dis. C'est la seule référence que vous ayez. Maintenant, entre vous et moi, en tant que gourou, vous devez écouter attentivement. Ceci est arrivé une fois, un groupe d'amis se rend au restaurant. Ils sont tous ensemble, un peu tapageurs, vous savez. C'était de bons amis à l'université, ils ne se sont pas vus depuis longtemps, 5 ou 6 ans, maintenant ils se sont réunis, ils sont tous ensemble. Alors ils voient qu'il y a un concert de musique, quelqu'un joue d'un instrument. Il leur est vaguement familier, ils savent tous ce que c'est, mais ils n'arrivent pas à trouver le nom. Donc ils appellent le serveur et lui disent, « Pouvez-vous aller voir de quoi il joue ?» Alors, le serveur y va, revient et dit, « C'est un violon. » Ça veut dire que vous ne faites qu'entendre des choses, vous n'écoutez pas. Si vous écoutez sincèrement, alors vous allez comprendre que je n'ai jamais exprimé aucune opinion sur quoi que ce soit, parce que je n'en ai jamais formé une dans ma tête. Si je vois quelque chose, je dis, ceci est un fait à l'heure actuelle, ceci pourrait avoir telle ou telle ou telle conséquence. Là maintenant, si je dis, le confinement doit probablement durer plus longtemps, ce n'est pas mon opinion, c'est appuyé par suffisamment de faits. Mais ça reste une décision qu'on doit prendre en pesant diverses réalités.
en voyant si ça va fonctionner pour nous ou contre nous, si on peut se le permettre ou pas. C'est une décision que l'on prend. Que l'on décide de continuer le confinement ou de l'arrêter, il n'y aura pas de décision parfaite. Ça, on le sait déjà. Mais c'est un jugement. Aucun jugement n'est parfait. Mais en pesant les choses en fonction de nos priorités, on en arrive à un jugement. Si vous pensez que c'est mon opinion, supposez que je dise « il faut prolonger le confinement », « oh, c'est votre opinion, elle ne nous plaît pas », ce n'est pas mon opinion. Lever le confinement est une option. Prolonger le confinement est une autre option. On doit peser les pertes et les profits, le pour et le contre, et en arriver à quelque chose. C'est toujours un compromis. Quel compromis? Ça peut toujours être débattu. Vous pourriez ne pas penser la même chose que moi, mais ce n'est pas que je me forge des opinions sur quoi que ce soit, en particulier en ce qui concerne la vie politique nébuleuse du pays. Il est très difficile pour quiconque de se forger une opinion, mais je veux que vous compreniez ceci. J'ai vécu ma vie avec énormément de discipline pour ne me former aucune opinion sur quiconque autour de moi. Ces gens qui sont avec moi depuis 20, 25 ans, je n'ai toujours pas d'opinion sur eux. Je les regarde toujours d'un œil neuf tel qu'ils sont aujourd'hui. Ils ont été beaucoup de choses pour moi. Beaucoup, beaucoup de positifs, un peu de négatifs, ils ont été beaucoup de choses pour moi. Mais si je les vois aujourd'hui, je les vois tels qu'ils sont. À partir de là, la situation donne ce qu'elle donne. Cela demande beaucoup de discipline et de travail sur soi, de ne pas en arriver à une opinion. Donc en ce qui concerne la dimension spirituelle entre vous et moi, vous devez écouter, pas entendre. Si je vous demande de quoi il joue et que vous répondez du violon, vous croyez que je pensais que c'était un piano ou autre? Donc, peu importe, je ne sais pas à quel point vous êtes à gauche, je suis sérieusement à gauche, parce que... Voyez, le centre de yoga est une... commune, d'une certaine façon. C'est un agencement communiste. Personne ne vous demande combien vous avez. Personne ne vous demande quelle est votre religion, quelle est votre caste, d'où vous venez, qui est votre père. Même si vous n'en avez pas, je m'en fiche. Non, juste au cas où vous soyez l'un d'eux. Même si c'est votre cas, on va juste vous traiter exactement comme tout le monde. Si vous montez et faites preuve de qualité particulière, on va aussi rendre hommage à cela. Mais autrement, même si vous venez d'en haut, on va quand même vous traiter pareil. Si ça n'est pas à gauche, qu'est-ce qu'il l'est? C'est la gauche absolue. Je ne pense pas que vous viviez comme ça. Je suis sûr que vous vivez dans votre propre maison. À parler de philosophie de gauche. Mais si quelqu'un vous demande de donner votre téléphone à quelqu'un qui n'en a pas, pas le donner. Un jour sur deux, vous savez? Le partager avec votre voisin, parce que, après tout, vous êtes peut-être un membre du parti. Essayez pour voir. Ici, on fait ces choses très facilement. Donc, ne commencez pas à entrer là-dedans. Et quelque part, vous avez réussi à vous engager sur le chemin spirituel. Restez en piste, ne faites pas une sortie de route en allant vers la gauche ou en allant vers la droite. J'espère que vous ne pensez pas que je suis à droite. Vous ne pouvez à coup sûr pas dire que je suis de l'aile droite. Il faut deux ailes pour voler. J'ai les deux ailes. Et je les fais battre selon les besoins. La prochaine question est de Siddharth Wazir. Sadhguru, le Jammu et Cachemire a besoin de votre présence pour que les gens puissent se concentrer sur autre chose que les problèmes régionaux. Est-ce que vous prévoyez de mettre les pieds ici? Je n'ai pas de problème avec le Jammu et Cachemire. Les gens m'ont invité à venir golfer sur le parcours de Srinagar.
Certains des officiers de l'armée m'ont dit, « Sadhguru, venez, on va assurer votre sécurité. » Mais j'ai dit, « Non, je ne veux pas venir. S'il faut que 25 personnes marchent autour de moi pour essayer d'assurer ma sécurité, je ne veux pas vous faire ça. Quand tout ira bien, je viendrai. En ce moment, vous allez là-bas, et il y a tout un tas de gens qui vont là-bas, parce qu'ils veulent un coup médiatique. » La situation au Cachemire n'est pas encore mûre pour faire un travail spirituel. En ligne, on peut le faire, mais y aller et vraiment arriver à accomplir un travail spirituel, c'est juste un coup médiatique, ce n'est pas pour de vrai. Parce que c'est dans un certain état d'ébullition, il faut que ça refroidisse. Dans cet état d'ébullition, si vous allez là-bas, vous ne faites qu'inciter certaines forces à devenir encore plus folles. Ils vont se sentir encore plus menacés et probablement devenir encore plus violents et peut-être que je vais être protégé. Et ils vont reporter cette violence sur quelqu'un d'autre. Ceux qui ont participé au satsang, ils pourraient être tués. Oui, ils le seront probablement. Donc, je ne veux pas causer de telles perturbations. Ce serait fou de s'immiscer dans cette situation à l'heure actuelle. Ce serait juste une tentative pour essayer de tirer profit de ce qui se passe là-bas, ce que je ne ferai jamais. On ne va pas aller dans le Jammu et Cachemire, à part, peut-être de façon anonyme, à moto, ça on pourrait le faire. Mais est-ce qu'on va aller là-bas pour faire des méga-programmes? Non, je ne vais pas faire ça. Ils peuvent toujours accéder à notre matériel, gratuitement, en ligne. Et s'il se trouve que vous êtes un militant, ou un terroriste, ou extrême d'une façon ou d'une autre, on vous offre ingénierie intérieure en ligne, gratuitement pour vous. Des outils de transformation. Parce que je veux que vous compreniez. Il y a divers aspects à cela, je n'essaie pas de me moquer de ça. Tout le monde croit ce qu'il croit, et tout le monde pense qu'il fait ce qui est juste. On pense toujours que c'est l'autre qui est fou. C'est arrivé une fois. Deux gardes en uniforme blanc arrivent dans une ferme du Tennessee et demandent à l'agriculteur, « Voyez, il y a un fou qui s'est échappé d'une institution. On est à sa recherche. Est-ce que vous l'avez vu par hasard ?» Le fermier demande, « À quoi est-ce qu'il ressemble ?» Ils lui disent, « Il est très petit et maigre, et il pèse 130 kilos. » Le fermier dit, « Quoi ? Il est petit et maigre, et il pèse 130 kilos ? Hé, on vous a dit qu'il était fou !» Donc, vous ne savez jamais qui est fou, d'accord? Donc, ce n'est pas pour dire que quelqu'un se trompe, on a raison. Il ne s'agit pas de ça. En ce moment, l'important est de fonctionner et de travailler là où vous pouvez avoir un maximum d'impact, parce que la vie est une petite quantité de temps et d'énergie. C'est une quantité de temps et d'énergie limitée. Tout être humain devrait comprendre ceci. Vous devez toujours travailler dans un espace où vous pouvez avoir un maximum d'impact. Allez-vous choisir un endroit facile pour travailler? Non. Là où l'impact est maximum. L'impact peut être mesuré de bien des façons, mais à coup sûr, il ne dépend pas de la facilité ou de la difficulté à travailler quelque part. Ce n'est pas le sujet. Pouvez-vous avoir un certain impact ou est-ce juste une perte de temps et d'énergie? C'est quelque chose que tout le monde doit décider. Moi, j'ai décidé. Je n'irai pas dans des zones de guerre et dans ce genre de situation, des famines, où les gens arrivent et distribuent des fruits, des bananes, des oranges et prennent des photos et les mettent dans les journaux. Je ne vais pas faire de telles choses, c'est trop obscène pour moi. Je ne ferai jamais de telles choses là où il y a la guerre, là où il y a la mort. Je vais arriver et vous dire, laissez-moi vous enseigner la spiritualité.
Ça ne marche pas comme ça. J'ai besoin de gens dont certaines choses sont stabilisées dans la vie et prêts à se concentrer sur quelque chose de plus profond, sur une dimension plus élevée. Alors seulement je peux travailler avec eux. Autrement, c'est un coup médiatique spirituel. Je n'en ai pas besoin. J'ai l'air suffisamment spirituel, n'est-ce pas? Merci. Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho, Shambho, Mahā.